tête. Laissons là. Non, je suis tort de la tête. Ne nous empêche, ne nous empêche. Le premier qui s'approche, il prend une balle dans la tête. Laisse-moi. Bouge-toi, on vient. J'ai pas compris, t'as une chance. Ta gueule, toi, si je pars, tu pars avec moi. Il a trop collé dans la bouche, je n'en parle plus. Je te dis, quand on veut une balle dans la tête, mets tes putains de mains sur la tête. J'ai deux trois grenades aussi si tu fermes pas ta gueule. Ok, c'est moi le pirate ici. Alors maintenant vous allez faire exactement ce que je dis. Ah ouais? Bah tu vas commencer par poser ton arme de guerre, Capitaine Crochet, sinon j'explose la tête de ton pote. Bah tu me laisses pas le choix. Je déteste faire ce truc grotesque, mais je vais compter jusqu'à 3. 1! 2! Allez, c'est moi. Ah, c'est ça, je te dis pas. C'est fini. Tu t'es vite retourné, toi. Ta gueule. Eh, oh, ça, putain, la chair. Ah, c'est bon, patron, laisse que je m'en occupe. Il a le pied coincé dans les chiottes, ce con. Emmenez les autres. Tu vas emmener qui, toi? Hein? C'est bien, Gilles, tu contrôles grave. Quand tu poses ton pas de terre, je te fais péter la tête. T'en fond, là. On fait quoi, maintenant, commandant? Dans 2 minutes, ça va se terminer dans un bain de sang, cette histoire. Interviens, Gilles, putain, qu'est-ce que tu fous? Mais interviens quoi? Qu'est-ce que je veux que je fasse? Déjà, si tu n'avais pas laissé en galère avec la panda, peut-être que... Non, il y a bien qui est coincé, il nous reste une chance. Ferme ta gueule, parce que les balles de mon chargeur, elles sont pas coincées. Bon, écoutez, dépose ton arme, c'est plus raisonnable. Il y a bien longtemps qu'on est plus dans le raisonnable, mon amour. J'espère que t'as une bonne explication, Titi, pour le lapin que tu nous as posé. Bon, maintenant que t'as bien donné les noms de tout le monde, on va peut-être pouvoir y aller. Dis donc, Kiko, c'est toi qui nous a ramené dans ce commissariat, ce que voilà, c'est. Kiko! Donne-leur aussi mon numéro de sécu pendant qu'on y est. Commandant, je vous jure qu'on a une chance. C'est quoi, numéro de sécu? Regarde la merde dans laquelle on se trouve à cause de tes conneries. Toi, ta gueule, t'as dit. Pour sortir d'ici, vous n'avez pas d'autre choix que de me prendre avec vous. C'est simple, vous passez la porte et vous êtes mort. Avec moi, vous avez une chance.